Eugène, on dit Momo. Et vous? Huguette. D'accord. Comment était l'école? Ancienne. C'était pas mal, bien sûr. C'était pas une école comme maintenant. Hein. Maintenant, vraiment, elle est belle, une belle école. Et dans le temps, c'était des passages, la maîtresse nous mettait au cachot. Le cachot, c'était là où il y avait du charbon et le bois. Alors, en punition, on nous mettait là-dedans pendant 10 minutes, une heure des fois. Moi, j'ai jamais été, je bougeais pas, j'étais plutôt timide à l'école. À quel jeu jouiez-vous à l'école? On jouait à pomme, au ballon. À pomme, tu sais. On donnait la balle, puis pam, on balançait la balle sur l'autre. À pomme, ça s'appelait pas. Puis au billes. Au pot, aux billes. Vous aimiez aller à l'école? Oui, parce que quand l'inspecteur venait, Mme Arnaud m'a toujours allé au tableau. Toujours j'allais au tableau. J'étais fort en calcul. Des fois, elle me disait, mettez vos doigts comme ça, elle foutait un coup de règle, mais c'était pas méchant. Jamais j'en ai eu, moi. C'était gentil. Alors, pour mon certificat d'études, ils m'ont demandé la troisième couplet de la Marseillaise. Et comme dessin, une feuille de platane. Les petits étaient tous timides à l'école. On parlait pas leur comme maintenant. Rester là, ils restaient là. Moins fontaine. Tandis que maintenant, la mère est derrière et les gosses sont là-bas au feu. Nous, à l'école, on ne bougeait pas. Hein. Nous, répondre aux parents, on n'avait pas intérêt. Hein. Et à table, on ne bougeait pas. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on parle et nous, on ne parlait pas. Ah non, on ne parlait pas. On était à table, on mangeait, c'est tout. On discutait pas avec les parents. Est-ce que ça existait, les chansons? En mangeant, on ne chante pas à table. Et vous ne parlez pas? Non. On parle, si je dirais. Non, on ne parlait pas à table. On ne parlait pas. Non, il n'y avait pas de discussion à table. C'était manger et un poisson, c'est tout. Vous avez le droit de sortir quand c'est le week-end? Ah non. Et pourquoi? Parce que les parents étaient très stricts. Très sévères. Ah, sévères. Vous savez pourquoi ils étaient sévères? Ah ben, c'était comme ça. Toutes les familles étaient comme ça. Hein. On n'avait pas le droit d'aller courir par les chemins. Hein. Ah, c'est pas la même vie que maintenant, c'est impensable, non. Il n'y avait pas de nounou, c'est les parents qui nous élevaient. Quel âge aviez-vous pendant la guerre? 15 ans. Quel souvenir de la guerre aviez-vous? Ah ben, j'ai de mauvais souvenirs, hein. Quand les Allemands m'ont foutu le revolver sur la temple, j'étais pas. Hein, 48 heures sans rien manger. Pourquoi ils avaient mis le revolver sur vous? Parce qu'ils m'ont pris mon vélo, moi je leur ai arraché des mains, et quand ils ont eu ça, ils ont sorti son revolver et ils me l'ont foutu là à la temple. Pourquoi ils vous avaient pris votre vélo? Hein? Ils en avaient besoin. Après, il y en a qui l'ont vu passer avec moi en vélo, les Allemands. Il y en avait partout, hein, les Allemands. Mais dites, hein, après un coup comme ça, on peut en avoir peur, moi qui vous le dis. Je vous dis, pendant 48 heures, j'ai rien mangé. Malade comme un chien. Ouais. Pendant la guerre, c'était pas... Oui, mais enfin, bon, écoute, on avait encore nos deux bras, nos deux jambes. Je me rappelle, on avait été le maquis. Le chinois du Versou, là, on l'appelait chinois, il venait chargé le camion dans la salle de M. Roche, la salle de bal où on dansait. Hein, et on livrait pommes de terre, haricots, tous les légumes qu'on avait. Hein. Et tous ces légumes, c'était pour ravitailler tous les maquisards qui étaient en montagne. Les maquisards, c'était des gens, ils attendaient les Allemands. Qui étaient contre les Allemands. Contre les Allemands, ils attendaient les Allemands dans un tournant, puis ils tuent les Allemands, puis ils se sauvent dans la montagne. Ils ont tué 4 ou 5 qu'on voit qui passaient là. Je me demande, la Muriotte, mais ça n'a pas été à feu, à sang, je me demande. Je me demande bien. La Gestapo, ils étaient planqués à Uriage, au château d'Uriage, là-haut. La milice, on l'appelait la milice. La milice, c'était les miliciens. Et il y en avait une Murianette. C'était un nommé Parentou.
Il était dans la milice. Il était au château du Riage, là-haut. D'accord. Et il avait mis un carnet. Il y avait 25 garçons de Muriel qui voulaient tuer. Moi, je n'étais pas sur la liste. Il devait bien m'aimer. Enfin bon. Eh ben, autrement, mais ils n'ont pas été tués, rien du tout, heureusement. Hein. Bah oui. Au Versou, il y avait les. Les maquisards. Les Allemands, ils arrêtent la voiture, la traction. Et je ne sais pas s'ils leur ont fait. Ils leur ont coupé les parties. À un kilomètre, on entendait hurler les pauvres gars, les maquisards. Un kilomètre. Affreux, affreux. Affreux. Mais pourquoi ils faisaient ça? Pour se venger, les Allemands. Les avions allemands qui passaient là. Des petits avions comme ça, comme un avion jaune. Non, non. Comme ça, avec un moteur non, à hélice, comme les ça. Les hélicoptères. Les bombardiers, c'est des gros bombardiers. Non. Dans le verger, il y avait au moins 30 trous dans le verger, là. C'était plus que ça. Plus que ça. Ça nous avait coupé des arbres, des cerisiers complets, des noyers et tout. Où vous retrouvez pour discuter? Mais dimanche, j'allais danser. Hein. J'étais mordu pour la danse, moi. Hein. Ah ben, il y avait le bal de Murianette. Hein. Puis on allait danser à Gier. Hein. Bonne auberge, là. Oui, c'est Café Roche, oui. Mais c'était ouvert à l'époque? Bien sûr, on allait danser. Il y avait le bal. Après manger, après dîner, on discutait sur la place, là, entre copains, on était 7-8 copains. On discutait, il y avait déjà les trois fils Mollard. On discutait, un Piantino. On discutait notre travail, ça. Et puis notre petite bonne amie, les bonnes amies qu'on avait. C'était quoi la ville avant? C'était la vie qui était quand même plus tranquille. Maintenant, moins mouvementée. Les gens étaient moins énervés. Premièrement, déjà, les gens se parlaient bien entre eux. Voilà. Pas comme maintenant. Mais maintenant, les gens sont personnels. Ils sont froids. Non. Oui ou bien. Non? Ah, la vérité. Je vous dis la vérité, moi. Tout le monde travaille, aussi bien l'homme que la femme. Ils rentrent, c'est normal qu'ils soient dans leur maison et qu'ils ont du boulot. Hein. Les gosses à surveiller et tout, hein. Ça, c'est sûr. Bon, ben, ils rappelleront. La gueule du Mitéa. Regardez. C'est vrai, on est pour dire, on est, maintenant, il y a tout. On est gâté pour dire, il y a tout ce qu'il faut. Attends, la vie n'était pas pareille. Il y avait plus de solidarité quand même. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les petits-enfants? Oh, je leur souhaite tout. De tout, de tout, mais malheureusement. Qu'ils aient beaucoup de travail, qu'ils apprennent bien à l'école. C'est l'essentiel. Vous étiez plus en famille ou plus avec vos copains? Où on était plus en famille, on n'avait pas de copains, ma pauvre. Pas de copains? Pas de copains, on était à l'école, c'était tout. Il y a l'école, vous avez des copains? Ben oui, ben à l'école, c'est normal, on était tous ensemble. Hein. Tandis qu'à la maison, personne venait. Si on avait des frères et des sœurs. Le climat a-t-il changé? Ben non, c'est pas toujours pareil, hein. Non, si, mon oui, d'accord. Ben, si, la terre s'est réchauffée quand même. Hein. Oui, mais. Puis nous, hivers, je vais dire, les hivers, il faisait moins 4, moins 15, moins 20, Murianette, hein, oui, à l'époque. Oui, on avait des hivers. J'allais à l'école, on avait 50 cm de neige pour monter à l'école. Hein. Oh oui, vraiment, il faisait froid. Hein. Moins 15, moins 20. Et il y a plus de chasse de neige, ne passait pas, rien du tout. Hein. Les ponts ne passaient pas. Il y avait ça de neige. Et tous les hivers, il faisait froid, tous les hivers, il faisait froid. Des jolis printemps, des jolis étés, des jolis automnes. Normal, que maintenant, il n'y a plus rien.
Les paysages ont-ils changé? Non, c'est toujours... Non. Par contre, là, c'est construit à Murianette. Hein. Il n'y avait aucun... C'est Cotin, il n'y avait aucune maison, là. Pas une maison. Maintenant, regardez. C'est tout un strigé, chez Cotin, là. Maintenant, regardez les maisons qu'il y a. Question, la télé, si elle existait, c'est... Oh, à l'époque, non. On avait un petit poste, nous, mais pas de télévision à l'époque. Et les jeux vidéo, ça existait? Non. Bah non, il n'y a pas de télévision, rien du tout. Notre plaisir, dimanche, quand on allait danser, on prenait le vélo. On mettait notre petite copine pour aller danser. Est-ce que vous partiez en vacances à la mer? Non. À la mer, c'était dans les champs, la mer. Il fallait travailler. Hein? Il y avait autant de choses dans les magasins? Non. Mais seulement quand il y avait on allait dans les magasins, c'était des bonnes choses. C'était, tu achetais des paires de chaussures, tu en avais pour longtemps. C'était tout en cuir. Et c'était en bois aussi, les sabots? Ben, on apportait aussi les galoches. Avec des cuirs dessous. Et pour ne pas faire du bruit comme c'était du bois dessous, et ben les papas mettaient du cuir tout le tour. Pour faire du bruit. Vous avez beaucoup à manger ou vous avez... On n'a pas eu faim. Hein. Dans une ferme, on n'a jamais eu faim. On a eu faim. On allait faire notre pain à Fourbana chez Bassel à côté. Vous où? À côté de chez Roche, là-haut. Chez Café Roche, là-haut. Et c'était où votre travail? Dans les champs. À la plaine. Et est-ce que maintenant vous en faites un avant de... Ben, c'est mon fils qui a pris la place. Oui, bien sûr. On a toujours fait ça dans notre vie. On ramasse jusqu'à 100 caisses d'haricots par jour. 100 caisses, c'est pas une, 100 caisses. Ça fait 600 kilos d'haricots par jour ramassés. Vous avez déjà mangé plein de fruits comme le litchi et tout? Ah non, tout ça, ça n'existait pas avant Kiki. On mangeait nos fruits quand on avait des pêches, des poires, des pommes. À part celui-ci, au moment des prunes, on faisait 1000 kilos de prunes par jour, une tonne par jour. Est-ce qu'ils savaient toujours hacher? Ils avaient des machines... Pour quand des machines à hacher, par exemple, tu mets des légumes et tu fais tchac. Oh non. Non, non, non. Oh non, 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 on ne fait pas de tchac. Non. On moule un légume. Moule un légume. Ou alors on avait le pilon, puis on écrasait la soupe comme ça avec un pilon en bois. Et vous avez Non, rien d'électrique. Êtes-vous riche ou pauvre? Ben, tu sais, en travaillant, on ramassait un peu de l'argent, mais on n'était pas fortunés comme maintenant. Hein. Ah ben, tu es sûr que c'était plus dur. Hein. C'était plus dur, bien sûr. Mais bon, en allant au marché de gros 3-4 fois dans la semaine, en se levant à 2h du matin, on revenait à 6h. Je dormais un petit moment sur la table. Et hop, je me changeais et je repartais au champ jusqu'à midi. On repartait à 1h. Tout l'après-midi. Oh, haricots. Moi, j'allais livrer ma Berzano à Gier. Il était en voyage. Avec ma petite carriole, je faisais deux voyages. Je pouvais partir d'ici de la maison en haut. On était vers ces roches. 4h du matin. C'est deux voyages à Gier et ils me payaient avec des billets de Pétain, rouge et vert les billets. Vous voyez, c'était bons souvenirs. Et j'ai travaillé jeune à 15 ans, j'avais deux voyages à pied. Gier, j'avais quand même pas bien loin, mais 2 km, deux voyages, j'avais quand même 8 km. Et j'avais 15 ans à pied, oui. Avec 250 kg sur la carriole, même 300 kg. Vous voyez un peu? Et je suis encore là, je suis pas mort. les billets de pétain, c'était des billets verts et rouges.
comme ça les billets de Pétain, l'argent, l'argent français, vert et rouge. Il y avait les papeteries avant. Et je revenais avec une bonne grâce de me payer avec des bonnes grâces, j'étais content. C'est quand on est jeune, on aime l'argent. Bah oui. Et vous écoutez quoi comme radio? On n'avait pas. J'avais, on n'avait qu'un petit poste, comme ça. Il nous parlait de la guerre. Ah oui, mais à une condition que. À une condition qu'on mette tout doucement. Oui. Hein, et il ne fallait pas se faire prendre quand on avait un poste, autrement la Gestapo nous aurait tués. La Gestapo, c'était les Allemands. Les miliciens étaient encore plus mauvais que les Allemands. Et les méchants? Oh là! Attention, hein. Et vous étiez habillé comment? Eh bien, comme tous les jours, hein. J'allais à l'école. J'avais un petit pantalon en velours avec des bretelles. C'était la mode à l'époque. Vous voyez? Un petit tablier avec une rayure verte. Tout c'est identique à l'école. Hein. Pas de. Tout ça, le même blouse, tous pareil. Hein. Et les filles, pareil. Pareil. Ah. Vous jetez beaucoup de choses à la poubelle? Il n'y a pas de poubelle à l'époque. Pas de poubelle? Non. Les poubelles ramassées, elles ne passaient pas. On mettait dans un grand tonneau, puis après, quand c'était plein, on le brûlait. Non, il y avait moins de choses à jeter, ma peau, à part les papiers, quand ils mettaient de la viande, ils mettaient dans du papier, on jetait, puis c'est tout. Le boucher passait deux fois par semaine, là, M. Roche de Degière, là, il nous klaxonnait, on descendait, on prenait de la viande. Donc il y avait moins de poubelles parce qu'il y avait moins de choses à jeter. C'était exact, voilà. Oui, est-ce qu'il y avait des supermarchés? Non, il n'y avait rien du tout, non. Non. On faisait le pain au four banal, chez M. Bassel, là, le grand four banal. On faisait du pain pour 15 jours, on faisait 6 gros pains comme ça au four, avec des tartes, des pognes. Et l'épicerie, c'était chez Roche. Ah ouais. Et vous, c'est vous qui faisiez un peu tout, en fait. Le pain, peut-être c'est le pain et tout. C'est parce que c'était plus dur? Non, mais bon, il n'y avait pas tout ça. Les gens, ils n'avaient pas d'argent comme maintenant. Ouais. C'est pas pareil. Hein. Et ça a coûté cher? Ben oui, à proportion, oui. Enfin, je me rappelle, ma maman avait fait ses courses chez M. Roche, là-haut. Mais elle en avait plein panier, elle avait, avec 10 francs, elle avait un plein panier de commission. Hein. Avec 10 francs. Et vous avez des voitures? Ah non, on n'avait pas de voiture à l'époque. Vous avez des douches? Ah, il y a tout, là, tout ce qu'il faut. Hein. Dans le temps, non? Oui. Non. Dans le temps, non. Et maintenant, et comment alors? Ben, dans des cuvettes. Une cuvette? Ah. Hein? Et les toilettes? Il n'y avait rien. Non, les toilettes, elles étaient en dehors des maisons. Voilà. Et étaient dehors? Dehors. C'est pas la même vie, mais on était heureux. Eh oui. On était heureux. On appréciait les petites choses qu'on avait, on y appréciait. Tandis que maintenant, il y a trop pour les garçons. Enfin bon. Et on dit quoi alors à Huguette et à Eugène? Merci, au revoir. C'est gentil, c'est tout bien gentil. Tout bien gentil. Tout fait ensemble. Thank you.
votre enfant à quel âge et à quel mois? À quel jour? Et à quelle heure? On s'appelle plus.